Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons là donc la toute première homélie de Jésus et elle tient en une très courte phrase. Il y condense donc certainement l'essentiel pour commencer. Elle contient un impératif: convertissez-vous, une chose donc que Jésus nous invite à faire, et Jésus nous donne une raison de la faire: le royaume des cieux est tout proche. Alors cela mérite d'être regardé en détail, je pense. Jésus reprend cette courte homélie de Jean-Baptiste, son cousin. Notre récit précise que Jésus se met à dire cela précisément au moment où il apprend que Jean a été arrêté. Alors pourquoi nous préciser cela? C'est certainement que ça a une importance pour nous, lecteurs de l'Évangile. C'est une indication. Jean, comme son nom l'indique, incarne le Seigneur et grâce. C'est le sens du nom de Jean, Yohanan en hébreu. Yo, c'est Yahvé, Dieu en tant que source de l'être, source de vie. Et Hanan, la miséricorde du Seigneur. C'est quand Jean est reçu que nous pouvons alors commencer à recevoir ce que Jésus désire nous apporter comme salut de la part de Dieu. Le premier rôle du chrétien, je pense, est de manifester par la parole, par des actes, autant que possible pour nous, bien sûr, ce préalable à l'évangile du Christ, que le Seigneur est grâce. Grâce pour chacun. Qu'il n'y a donc absolument rien à craindre de Dieu. Il est miséricordieux. Maintenant et pour le futur, nous n'avons rien à craindre de Dieu, mais tout à espérer. Il nous soigne,
et il nous soignera jusqu'à ce que nous devenions cette bonne personne qu'il voit que nous sommes en réalité, au fond de nous-mêmes. Alors connaître que le Seigneur est grâce nous prépare à recevoir cette proclamation de Jésus, « Convertissez-vous, le royaume des cieux est tout proche. » Alors cet impératif de Jésus, « Convertissez-vous » a été traduit de différentes façons. « Convertissez-vous, repentez-vous » et cela peut faire penser que nous devrions nous humilier devant Dieu. Mais à mon avis, ce n'est pas possible de le comprendre ainsi. Au contraire, le Seigneur est grâce et miséricorde nous dit que Dieu nous voit déjà comme une bonne personne, comme une personne dont il est fier en réalité. Pensez au regard, par exemple, d'une maman sur son nourrisson. Il est à juste titre pour la maman la première merveille du monde. Le regard de Dieu est comme cela sur nous. Et donc, il n'y a rien d'humiliant dans ce regard de Dieu sur nous-mêmes. Au contraire, il nous fait sentir ce regard de Dieu, ce regard de Christ, que nous sommes considérés. Il nous fait sentir que nous sommes une bonne personne en réalité. Et c'est sur cette base-là, sur ce regard-là de grâce du Seigneur, une fois que nous l'avons reçu, que nous pouvons alors attendre ce que Jésus nous propose de réaliser en nous. Convertissez-vous, l'expression en grec signifie littéralement évoluer dans votre mentalité. Cela ne nous demande pas d'être une autre personne en réalité, nous aurions bien du mal à être une autre personne que nous-mêmes. Cela nous dit au contraire que nous sommes une bonne personne et que nous pouvons en faire quelque chose de génial avec l'aide de Dieu. Que cela passe simplement par une autre façon de voir, une autre façon de penser l'humain avec miséricorde, une autre façon de se penser soi-même comme une bonne personne, une autre façon de considérer Dieu comme nous faisant du bien et seulement du bien. Réconcilier ainsi la personne humaine et son Dieu. Nous réconcilier avec Dieu. Dieu, lui, n'a pas besoin de se réconcilier avec nous-mêmes, puisqu'il est fidèle et qu'il nous a toujours aimés. Donc, ce « convertissez-vous », c'est une reprise de la Bible hébraïque, où les prophètes régulièrement lancent cet appel « Revenez au Seigneur ». C'est ce qu'on appelle la Teshuvah en hébreu. Dans l'Évangile, cet appel a été transformé de « revenez au Seigneur » à « revenez tout court ». En effet, il n'y a pas de cheminement à faire pour aller vers Dieu à travers mers et déserts, puisqu'en Christ, ce royaume de Dieu est venu à nous. Nous apportons ses services à domicile, les apportant même en nous, à l'intérieur de nous. Et donc, pour revenir au Seigneur, il suffit de revenir en vérité à l'intérieur de nous-mêmes, où Dieu est présent par son souffle, l'Esprit Saint. C'est bien cela qui est dit dans cette annonce, « Le royaume des cieux est proche ». Cela a pu, hélas, parfois passer pour une menace, comme cette annonce que nous entendons quand nous faisons un examen, par exemple, attention, plus que 15 minutes avant de ramasser les copies, rendant les étudiants fébriles afin de gagner peut-être le point qui manque pour pouvoir passer, réussir le passage. Cette annonce de Jésus n'est pas du tout comme cela, car il n'y a pas marqué « le royaume de Dieu est proche » ou « le royaume de Dieu vient bientôt ». Il est dit littéralement « le royaume de Dieu s'est approché ». Et le temps de ce verbe grec, « s'est approché », est le parfait en grec. Cela dit que ce n'est pas pour un futur, ce n'est même pas pour un futur proche, mais que ce rapprochement a été déjà accompli. Le royaume de Dieu est déjà là, dans le présent, tout contre nous. Il est même au-dedans de nous, nous dira Jésus.
C'est ce que confesse saint Augustin à Dieu. Il dit « Je te cherchais longtemps à l'extérieur de moi-même, mais toi, Dieu, tu étais plus intime que l'intime de moi-même, et tu étais plus élevé que les cimes de moi-même. » Et c'est là, à l'intérieur de lui-même, que saint Augustin découvre Dieu. Et c'est sur quoi Jésus attire notre attention pour orienter notre recherche, notre soif de la source de la vie. Et la suite raconte ce que dit cette très courte homélie de Jésus. Il la met en récit à travers la rencontre avec ses premiers hommes qui vont devenir des disciples. Et cela nous est dit pour que nous vivions, nous aussi, dans la réalité de notre vie quotidienne, cette rencontre. Jésus passe, il regarde, il voit ses deux frères et il leur parle, il les appelle. Et ce regard de Jésus, finalement, c'est le royaume qui est là, comme un regard qui relève notre valeur, comme une voix qui nous appelle. Dieu est là, qui nous parle par l'Évangile, par son esprit à l'intérieur de nous-mêmes, par notre cœur qui est capable d'espérer encore, par nos tripes peut-être, qui s'émeuvent et se soucient de notre prochain. Ce que dit cette voix du royaume de Dieu qui s'est approchée de nous, c'est comme quand Jésus dit à Simon et André, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'humains, car ils étaient pêcheurs de poissons. » C'est donc le même Pierre, le même André qui était pêcheur, mais qui vont avoir un regard différent sur leur existence. C'est le même nous-mêmes que nous pouvons rester. Pourquoi changer alors que notre être est déjà tellement aimé de Dieu? Mais c'est simplement notre mentalité qui doit être transformée. C'est une visée que Jésus apporte en nous appelant, nous attachant à l'humain pour le sauver, comme le Christ va à la pêche du meilleur de chacun, au fond de lui, pour le remonter à la surface. Avec Christ, selon notre personnalité, selon notre propre vocation, eh bien, nous serons alors un petit peu une incarnation de la grâce de Dieu pour d'autres. Viens, Seigneur, et fais de nous ton enfant. Amen.